dernière retouche au maquillage de Colombine, une des chèvres de Heidi. Avec notre héroïne nationale, nous allons ajouter à ce monde du joli une dimension supplémentaire, le gentil. Joue fraîche et rose, Heidi a su conquérir, grâce à sa gentillesse naturelle, le cœur de millions de gens à travers le monde. Il existe au moins 7 adaptations cinématographiques de Heidi, plus des feuilletons de TV, dont un en japonais. Permettez-moi de rafraîchir la mémoire de ceux qui auraient oublié qui est Heidi. Il s'agit d'une gentille petite fille qui est devenue orpheline et placée chez son grand-père. Et pour le lait, tu n'attends pas qu'elle meure de soif pour lui entrer un bol. D'accord. Celui-ci vit chichement en solitaire dans un chalet d'alpage. Heidi s'adapte bien à sa nouvelle vie et devient l'amie d'un jeune garçon, Pierre, le petit chevrier. Mais Heidi sera retirée à son grand-père et il lui arrivera quelques malheurs. Pourtant, l'histoire se termine en happy end. Finalement, tout le monde est gentil, même ceux qui paraissaient méchants révèlent un cœur d'or. C'est de la littérature de bons sentiments, comme on n'en fait plus. Heidi ! L'auteur de Heidi, Johanna Spyri, a vécu son enfance à Hirtshals, dans le canton de Zurich. Aujourd'hui, un musée lui est dédié. Alors, chers téléspectateurs, joignons-nous, si vous le voulez bien, à ces visiteuses, membres d'un Frauenverein de Zurich. Der Herr Spyri war ein Jugendfreund von diesen zwei Brüdern. Und die Johanna hat aus so einer lustigen, hat immer etwas gelaufen, aus einer guten Erinnerung. Johanna Spyri a publié le premier volume de Heidi en 1880. Ce fut tout de suite un grand succès. Le second volume parut l'année suivante. Heidi compte encore aujourd'hui parmi les livres pour enfants les plus lus à travers le monde. Traduit en 30 langues différentes, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Pour ces dames, Heidi demeure un personnage actuel qui fait toujours rêver les petites filles. Selon le principe de la crèche de l'enfant Jésus, on a reconstitué ici l'alpage où vivaient Heidi et son grand-père. Sans oublier Pierre et ses chèvres. Mayenfeld, canton des Grisons. De jeunes japonaises viennent en pèlerinage sur les lieux où Heidi est censée avoir vécu. Par elles, nous avons appris que de nombreux clubs de fans de Heidi existent au Japon. Surprenant. Ici, nous pénétrons dans le Heidi Land. Première étape, Oberhofels, le hameau de Heidi. N'allez pas croire que les gens d'ici ont jeté Heidi aux ordures. Pas du tout. Elle reste vivante dans leur cœur et le lieu est devenu un but de course d'école. En suivant l'itinéraire officiel, on découvre un superbe paysage. Puis nous approchons de l'ancien hôtel de ville, centre du hameau de Heidi. Et voici, discrète, la maison où elle aurait vécu vers la fin de son histoire. Mais le site principal, c'est le chalet du grand-père avec son alpage. À travers Heidi, Johanna Spyri a créé un mythe typiquement suisse qui résiste même à l'usure du temps. Grâce au cinéma, ce mythe est parti à la conquête de la planète. Mais laissons quelques instants vibrer notre chère fibre patriotique et écoutons les modulations limpides d'un yodel résonner sur les arêtes des glaciers.